Je m'appelle Angela Alcantara Miranda et je suis née en Espagne, à Murcia, une ville du sud de l'Espagne. J'ai commencé mes études à Murcia et en Espagne. Après, je suis partie en Écosse avec une bourse de formation. Et après, je suis rentrée à Madrid pour faire mes études au Conservatoire supérieur de danse. Et après ça, j'ai auditionné au ballet Préjocage. Et j'étais sélectionnée au début pour la compagnie junior, le ballet junior, et puis pour le guide jusqu'au jour d'aujourd'hui. My name is Atina. I come from Croatia. I studied in a school for classical ballet in Zagreb. I joined the company in 2018, and since then I've been there, working with different choreographers and different repertoire. Je m'appelle Alfredo Gottardi et je suis né à Pesaro en Italie. J'ai commencé mes études pour jeu. Je n'ai pas commencé la danse avec le but de devenir professionnel. Mais de plus en plus, j'ai eu envie de découvrir
découvrir des danses différentes. Et je suis déjà déménagé du coup à Florence pour dans une école classique où c'était du coup pour améliorer ma technique. Et ensuite au Ballet Junior de Genève pour améliorer la technique contemporaine. Et ensuite, mon premier contrat c'était avec le Bivardin Compagnie d'Edouard Hu en Suisse. J'ai commencé ma carrière freelance et j'ai rejoint les guides il y a 3 ans. Pour moi, l'Europe est un privilège et qui nous accorde de nombreuses facilités. Dans mon cas, en tant qu'artiste, il m'a permis de connaître une grande partie du monde de la danse, de connaître des différents pays et leurs cultures, tout en me faisant sentir chez moi. L'Europe, pour moi, représente l'unité et la diversité. En même temps, je pense que c'est très bien d'avoir that many different cultures and being able to connect them. Also, like in our job, I think it's great to have that many different companies and different styles on this area. L'Europe, pour moi, ça représente une opportunité autant européen en ce moment-là, ça représente une opportunité de pouvoir voyager sans trop de soucis ou de préoccupations. De pouvoir être ici en France sans trop de soucis, de pouvoir travailler sans faire trop les papiers. Et du coup, c'est une sorte d'opportunité, c'est une sorte de chance qu'on a d'avoir cette Union européenne à niveau de la monnaie et aussi à niveau de le déplacement, de le tourisme, de se sentir citoyen d'Europe, quoi.